Devenir Dieu selon la grâce, les vies des saints. Nous sommes à notre émission en milieu du jour, tous les 13 heures. Du mardi au vendredi, nous sommes à l'émission Synaxaire depuis la Sainte Montagne de Brofodoumé pour méditer la vie des valeureux saints, la vie des bienheureux saints qui ont marché avec conviction, avec foi, sur les pas du ressuscité, sur les pas de l'agneau de Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors je voudrais d'entrée de jeu commencer à bénir les personnes qui sont connectées. Des personnes qui sont connectées, là j'ai un petit souci de connexion. Est-ce que je peux avoir ma borne? Est-ce que je peux avoir ma borne ou un portable pour bénir toutes ces personnes-là qui sont déjà connectées, toutes ces personnes qui font monter des cœurs? Je voudrais vous saluer, vous tous qui êtes connectés, bénir vos familles. Je voudrais bénir vos entreprises, vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Soyez puissamment bénis. Vous tous qui êtes connectés, vous tous qui commencez déjà à mettre des cœurs, à liker cette émission, vous tous qui êtes déjà en train de partager parce que vous connaissez l'émission Synaxaire, que la faveur de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la bénédiction de Dieu inonde vos vies en ce milieu du jour. Que la faveur divine vous poursuive tout au long de ce jour. Que toutes vos requêtes de prière soient exaucées. Après avoir liké et partagé cette émission, que toutes vos requêtes de prière soient exaucées. Que vos requêtes de prière montent vers le trône de notre Dieu comme un encens d'agréable odeur. Nous continuons à adorer le Seigneur avec notre cantique d'alliance. Et surtout, continue à mettre tes requêtes de prière. Parce qu'en ce jour, nous allons prier avec un glorieux saint. Et nous allons prier également avec la Sainte Mère de Dieu. Quelque chose de surnaturel va se produire dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Quelque chose de glorieux, d'étonnant va se produire dans la vie de quelqu'un qui m'écoute en ce milieu du jour. Quelque chose de surprenant, je vous dis que quelque chose de surprenant va se produire dans vos vies. Parce que la Sainte Mère de Dieu veut se placer à la porte de ta vie. La Mère de Dieu veut se placer à la porte de ton existence. La Mère de Dieu veut se placer au centre de ta vie pour te bénir, au centre de ton foyer pour te bénir, au centre de la vie de tes enfants, de ta famille, de ta vie sociale, de ta vie financière, pour te bénir puissamment en ce milieu du jour. Alors continue à liker, comme je le fais là maintenant, continue à liker, garde la main sur le pouce bleu là comme ça, like avec moi cette émission, like cette émission pour dire à Jésus-Christ de Nazareth que tu l'aimes plus que tout, que comme le dit l'apôtre Paul, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni les problèmes, ni les difficultés, ni les épreuves, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alors en likant cette émission, tu es en train de dire ainsi à Jésus-Christ de Nazareth et à tous les bienheureux saints avec lesquels nous allons prier aujourd'hui, que tu les aimes plus que tout, que tu les aimes plus que toi-même, à cause du sacrifice de la vie de Jésus, à cause du sacrifice de la vie de ces saints-là, qui a fait que l'évangile est arrivé aujourd'hui jusqu'à nous, que nous avons aujourd'hui le salut, qu'à cause de cela, ton amour pour eux est infini, ton amour pour eux est grand. Ensuite, tu vas partager cette émission, car le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, il dit, allez par tout le monde entier, annoncez la bonne nouvelle du salut, proclamez l'évangile du salut à toutes les nations. Alors, je voudrais saluer Solange Bleka, Serena Djaha, Valérie Yao. Je voudrais faire un coucou à Nelly, à Marie-Thérèse Niagne qui prie pour la restauration de ses finances. Est-ce que tu as liké l'émission? Est-ce que tu as partagé l'émission Marie-Thérèse? Si tu as fait ces deux choses, crois que tes finances sont restaurées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois là des cœurs qui montent, je vois là des pouces qui montent, mais c'est encore un peu timide. C'est encore un peu timide, soyez vivants. Soyez comme des guerriers, likez l'émission et partagez. Denise Agré qui dit, je veux un travail stable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et par l'intercession pour tous les saints commémorés aujourd'hui, dans la Sainte Église orthodoxe, je déclare pour toi et je prophétise que c'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béatrice Kima qui dit, j'ai partagé dans 30 groupes. Que la grâce de Dieu demeure sur toi, ma chère fille, pour cette œuvre d'évangélisation. Je voudrais également faire coucou à Ubique Christelle Adjoussou, à Céleste, Célestine Raymond,
Ok. La Bible dit en 1 Pierre 1, les versets 15 et 16. La parole de Dieu nous dit ceci. 1 Pierre 1, versets 15 à 16. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, poursuit la parole, vous serez saints car moi je suis saint. Ainsi parle le Seigneur notre Dieu. Nous sommes donc appelés à être des saints. Nous sommes donc appelés à être des imitateurs de notre Dieu. Nous sommes donc appelés à marcher résolument dans les pas du Christ ressuscité, à suivre la lumière du Christ et à imiter les saints qui ont été nos frères, qui ont été des hommes comme nous. Aujourd'hui, donc 13 mai 2022, l'Église orthodoxe célèbre la mémoire du vénérable Gabriel Liber. L'Église orthodoxe aujourd'hui célèbre la mémoire du saint moine vénérable Gabriel Liber. Alors, notre Saint-Père Gabriel Liber est celui-là qui a recueilli l'icône de la Portaitissa. La tradition nous dit que notre Saint-Père Gabriel Liber, c'était un moine, c'est celui-là qui a recueilli l'icône de la Portaitissa. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de cette icône-là, du nom Portaitissa? Voilà, il y a quelqu'un devant moi ici qui remue la tête. Alors nous allons ensemble découvrir cela. La sainte tradition nous apprend, nous relate qu'au temps de l'hérésie iconoclaste, au temps de la querelle iconoclaste, une veuve pieuse, hein, une pieuse veuve de Nicée, de la ville de Nicée, va jeter à la mer une merveilleuse icône de la mère de Dieu. Elle va jeter à la mer, c'est-à-dire elle va jeter dans l'océan une merveilleuse, une très belle icône de la sainte mère de Dieu, la Théotokos, pour que cette icône échappe à la destruction. Et je nous l'ai dit une fois ici, et avant nous l'a, Monseigneur Achille a nous l'a enseigné plusieurs fois, c'est quoi l'hérésie iconoclaste? L'hérésie iconoclaste, c'est une doctrine de certains empereurs de l'Empire byzantin qui prohibait, qui interdisait les icônes, qui interdisait les images saintes des chrétiens de rite oriental au 8e et au 9e siècle. Donc concrètement, pendant cette période de persécution des chrétiens, les saintes images étaient détruites. Tous les chrétiens qui vénéraient les saintes images étaient persécutés et les saintes images même étaient détruites. Donc pendant cette période de persécution, il y avait dans la ville de Nicée une veuve à qui appartenait une icône de la mère de Dieu. Et cette veuve-là, qui était très pieuse, vénérait cette icône-là dans sa chapelle privée. Elle vouait vraiment un culte à cette icône. Elle vénérait cette icône-là. Alors, pour ne pas que l'icône de la mère de Dieu, qui lui était chère, soit détruite par ces hérétiques iconoclastes, que va faire la veuve? La veuve va jeter l'icône de la mère de Dieu dans l'océan, dans la mer. Et tenez-vous bien, frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui êtes connectés en ce milieu du jour, tenez-vous bien, plusieurs années plus tard, plusieurs de nombreuses années plus tard, que va-t-il se passer? Au 11e siècle, les moines du monastère d'Iviron, c'est un monastère, c'est le nom d'un monastère à cette époque-là, donc les moines de ce monastère, le monastère d'Iviron, vont voir, ils vont remarquer quelque chose, ils vont remarquer une scène étrange. Pendant plusieurs jours, ils vont remarquer une immense colonne de feu qui s'élevait vers la mer, de la mer vers le ciel. C'était ce spectacle-là qui était donné aux moines de voir. Ils voyaient une immense colonne de feu qui s'élevait à partir d'une icône qui était dressée debout sur la mer et cette colonne de feu allait vers le ciel. Et les moines vont essayer de prendre l'icône. Mais chaque fois que l'un d'eux cherchait à s'approcher de l'icône, l'icône s'éloignait. Chaque fois que l'un des moines essayait de mettre la main sur l'icône, l'icône s'éloignait. Et les moines n'arrivaient pas à mettre la main, à prendre l'icône. Et le synaxaire qui nous relate la vie des saints orthodoxes, le synaxaire nous dit qu'à cette époque vivait dans la ville d'Iviron un saint moine géorgien. À cette époque-là, à cette même époque,
dans la ville d'Iviron, vivait un saint moine georgien nommé Gabriel. Et ce saint moine-là, à chaque période d'été, il allait vivre dans une montagne. Et cette montagne était proche du monastère d'Iviron dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était là l'habitude de notre saint moine Gabriel. C'est un saint, nous dit-on, qui vivait une vie d'ascèse. C'est un saint qui vivait dans la contemplation, comme Jean-Baptiste. C'est un saint qui était vêtu d'une tunique de poils d'animaux et qui se nourrissait uniquement d'herbes sauvages. Et on nous dit que son aspect était celui d'un ange. Et qu'est-ce qui va se passer? La mère de Dieu va apparaître donc à notre saint moine, au saint Gabriel, et elle va lui ordonner de se rendre sur le rivage pour recueillir son icône. Tous les autres moines vont donc se réunir et ils vont voir avec stupéfaction le moine Gabriel qui va marcher avec assurance sur les flots comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Souvenons-nous de cet épisode dans la Bible. Notre Saint-Moine Gabriel va donc marcher sur les flots comme s'il marchait sur la terre ferme. Et il va aller recueillir l'icône de la Mère de Dieu dans ses bras et la ramener sur la berge. L'icône va donc être accueillie avec des hymnes, avec des chants d'allégresse, des actions de grâce. Et l'icône va être ensuite déposée dans le catholicon du monastère. Le lendemain matin, au moment d'allumer les veilleuses pour l'office, pour la prière, le sacristain du monastère va constater quelque chose d'étrange. Il va constater que l'icône avait disparu. Après de nombreuses recherches, les moines vont découvrir l'icône au-dessus de la porte d'entrée du monastère. La porte d'entrée, la grande porte d'entrée du monastère, c'est là qu'ils vont aller voir l'icône accrochée. Ils vont ramener l'icône dans le sanctuaire, la déposer dans le même endroit. Et à plusieurs reprises, l'icône va aller d'elle-même, de façon surnaturelle, se placer sur la porte d'entrée du monastère. Et comme les saints moines ne comprenaient pas ce qui se passait, finalement la mère de Dieu va apparaître encore au moine Gabriel, à qui elle était apparue une première fois pour qu'il aille prendre l'icône. Elle va lui apparaître encore et elle va lui demander d'expliquer à ses frères moines qu'elle ne désirait pas être gardée dans un endroit du monastère. Qu'elle ne désirait pas être gardée par eux et protégée par eux, non. Mais qu'elle était venue plutôt pour les préserver eux de tout danger, dans cette vie présente comme dans la vie future, et pour préserver de tout danger et de tout péril toute la ville, conformément à la grâce qu'elle avait acquise de son fils quand elle lui avait demandé que la sainte montagne lui soit accordée pour devenir son jardin. C'est-à-dire la sainte Vierge avait demandé à son fils Jésus que cette sainte montagne-là lui soit accordée comme son jardin à elle. Donc elle était là venue pour protéger le monastère et la ville. Et c'est donc pour la raison que l'icône de la Mère de Dieu, cette icône de la Mère de Dieu, porte le nom de Portaitissa. Portaitissa. Depuis lors, la Portaitissa est vénérée, l'icône de la Portaitissa est vénérée dans une chapelle construite spécialement à l'entrée du monastère. Cette icône a accompli ainsi grand nombre de miracles, tant pour la protection de la ville d'Iviron et pour tout le peuple en temps de péril, en temps d'épreuve, en temps de difficulté. L'icône, la Portaitissa, est dans l'orthodoxie à juste titre considérée comme l'icône par excellence de la Mère de Dieu miséricordieuse. Elle est considérée comme l'icône par excellence de la Mère de Dieu miséricordieuse. Est-ce que quelqu'un continue à liker cette émission? Est-ce que quelqu'un continue à partager cette émission? Nous sommes en train de prier aujourd'hui avec le saint moine Gabriel Libère et surtout vénérer l'image de la Mère de Dieu miséricordieuse, Marie porte du ciel, la Portaitissa. Nous prions que par l'intercession de ce bienheureux saint et par cette sainte icône, que le Seigneur ouvre les vannes des cieux pour vous tous qui êtes connectés, pour vous tous qui êtes en train de partager cette émission, pour vous tous qui êtes en train de liker cette émission, que le Seigneur vous bénisse au-delà de vos attentes, que le Seigneur vous surprenne agréablement au long de cette journée,
Je voudrais bénir ma fille Laurette Zain qui nous regarde en ce moment, qui je crois, j'espère, a déjà partagé, a liké. Laurette, est-ce que tu as mis ta requête de prière pour que le Seigneur t'exauce par l'intercession de Saint Gabriel Hubert et de la porte Aïtissa? Nelly Nelly fait un commentaire, elle dit j'ai la chair de poule. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu glorieux et la mère de Dieu fait des merveilles dans nos vies. Je dis en ce jour qu'elle veut se placer à la porte de ta famille. Elle veut se placer à la porte de ton foyer. Elle veut se placer à la porte de ton existence. La porte Aïtissa veut faire quelque chose de glorieux dans notre vie. Alors je vais vous montrer l'image de la porte Aïtissa. Voilà, je vais vous montrer l'image de la porte Aïtissa. Il faut que nous ayons tous guerriers de prière à Chia et bien tous les autres chrétiens catholiques dans l'ensemble, parce que cette icône fait des miracles partout. Il faut que nous ayons cette icône-là. Je vous la montre donc pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, ma réalisatrice va faire un gros plan là-dessus. Elle va faire un gros plan là-dessus. Est-ce que vous voyez? Si vous voyez, mettez un commentaire. Voilà. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut mettre des cœurs, des likes pour la porte Aïtissa? Partagez l'image. Je vais la rapprocher encore. Voilà. Voilà la porte Aïtissa. Elle est tellement belle. Elle est tellement majestueuse. Elle est tellement glorieuse. Est-ce que tout le monde a vu? Voilà, vous pouvez aller sur Google chercher la porte Aïtissa et vous procurer coûte que coûte cette sainte icône. Je vous assure, de nombreux miracles ont lieu, se réalisent. Même encore aujourd'hui, par cette sainte image. Alors, l'icône de la porte Aïtissa a été peinte par l'évangéliste Luc. L'évangéliste Luc, voilà, c'est lui qui a peint pour la première fois les icônes. Et donc, la tradition nous rapporte que cette icône-là a été peinte par l'évangéliste Luc. Et l'original de l'icône miraculeuse de la mère de Dieu d'Iviron. L'original de l'icône, parce qu'il y a eu plusieurs icônes qui ont été faites à partir de cette première icône. L'original de l'icône miraculeuse de la mère de Dieu d'Iviron se trouve actuellement de nos jours au mont Athos. Au mont Athos. Le mont Athos, c'est ce célèbre centre du monachisme orthodoxe. Ce sont que les moines qui y résident. C'est un haut lieu de la spiritualité orthodoxe. Voilà, c'est ce mont-là, ce centre-là qui tient toute la spiritualité orthodoxe. Et on nous rapporte que de nombreux miracles s'opèrent toujours à partir de cette sainte image de notre très sainte mère, l'image, l'icône de la porte Aïtissa. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons élever une intercession vers le trône de notre Dieu. Nous allons demander en ce jour la grâce par l'intercession du Saint-Moine Gabriel Hubert. Nous allons demander la grâce d'être véritablement des dévots. La grâce d'être véritablement des dévots des saintes images et des objets de piété de façon générale. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir un attachement pieux, un attachement fervent, un attachement particulier en tant que catholique à tout ce qui est mis à notre disposition par la Sainte Église catholique dans son ensemble et surtout par l'Église orthodoxe. Et je connais même nos frères évangéliques, certains évangéliques qui ont commencé à comprendre cela. Moi, j'ai vu des chapeliers avec des évangéliques, j'ai vu des images maintenant avant avec des évangéliques et des choses extraordinaires se passent dans leur vie. Des musulmans même sont bénis à travers la vénération, la dévotion à ces objets de piété. Les saintes images, les objets de piété sont de grandes portes de bénédiction qui nous sont offertes. Nous l'avons vu, nous venons de voir cela avec le miracle opéré par la porte Aïtissa, l'icône de la mère de Dieu. Je voudrais dire à vous tous qui êtes connectés que tout chrétien véritable doit avoir chez lui un autel de prière avec des saintes images qui représentent les entités célestes qui sont censées veiller sur nous. Alléluia. Alléluia. Mais je voudrais nous dire quelque chose de plus important.
hein, quelque chose qui est vraiment important. En plus de vénérer les saintes images, ce qui est déjà quelque chose d'important, on risque de le répéter. En plus de vénérer les saintes images, il nous faut surtout vivre dans l'intégrité et la droiture. Parce que c'est ça. Il nous faut surtout vivre selon la parole de Dieu. Il nous faut surtout marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il nous faut mener plus que tout une vie qui plaise à notre Dieu. C'est ça le plus important. Et nous voyons là l'exemple, nous avons vu ensemble l'exemple du saint moine Gabriel Liber. L'histoire, le synaxe nous dit que les autres moines qui étaient à côté ont voulu mettre la main sur la porte d'Haïti, sa mère, elle a refusé. Elle a refusé parce que c'est une image sainte. C'est la mère de Dieu qui était là représentée. C'est une entité céleste, spirituelle, hautement spirituelle. Donc, la mère de Dieu qui savait que dans les environs résidait là un saint moine qui menait une vie d'ascèse, qui plaisait à son fils Jésus plus que tous les autres moines. C'est ce moine-là qu'elle a qualifié pour aller la prendre. Voilà. Est-ce que nous sommes qualifiés à avoir l'icône de la mère de Dieu dans notre vie? Nous devons avoir un autel de prière avec les saintes images, mais soyons qualifiés à avoir ces saintes images. Soyons qualifiés à nous mettre devant notre autel de prière et à travers ces saintes images-là, adresser notre prière à notre Dieu. C'est là, c'est ce que nous devons retenir également par la méditation de ce synaxaire de ce jour. Alléluia. Et même si nous avons péché, à revenir toujours à Dieu dans la repentance. Je prie que le Seigneur, par l'intercession de son Saint Gabriel, son Saint moine Gabriel Liber, nous accorde cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui également, nous faisons mémoire de la Sainte Martyre Glycérie et de son geôlier Laodicios. Ce fut également une grande sainte, une très très grande sainte, qui a bravé toutes les épreuves et qui est morte martyre. Nous faisons également mémoire de notre vénérable Père Serge le Confesseur. Aujourd'hui, 13 mai, nous célébrons la mémoire de notre vénérable Père Posicas. Nous fêtons le Saint Nicéphore. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Gamaliel. Aujourd'hui, 13 mai, l'Église orthodoxe fait mémoire, célèbre la mémoire de Saint Gamaliel, le docteur de la loi. Souvenez-vous, le docteur de la loi dans la Bible. Nous faisons également mémoire de Saint Polybée, qui a été évêque, et mémoire de nos vénérables pères Jean et Eutyme et de leurs parents Georges Ier. Prions ensemble, bien-aimés frères et sœurs. Vous tous qui êtes connectés en ce milieu du jour, je prie par l'intercession de Saint Gabriel Liber, par l'icône de la porte Haïtissa et de tous les saints de ce jour, que le Seigneur vous accorde la grâce d'une véritable rencontre avec lui. Surtout cela, que le Seigneur vous accorde la grâce d'une véritable conversion, d'une véritable intimité avec lui. Que le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir entrer en intimité avec lui, de la même manière dont la mère de Dieu est apparue au saint moine Gabriel pour lui dire que c'est lui qui était qualifié à aller recueillir son icône. Que vous ayez une vie de sainteté, une vie de communion forte avec le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes connectés et qui avez des enfants difficiles, des enfants qui vivent dans la débauche, dans l'alcool, la drogue, le sexe, le broutage, la prostitution, que par l'intercession de Saint Gabriel et de Marie, porte du ciel, porte Haïtissa, le Seigneur vous apporte une conversion radicale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur accorde une conversion radicale à ses enfants difficiles qui deviennent une grande, grande bénédiction, un témoignage pour vous et pour leur entourage. Je prie pour tous les chrétiens qui sont persécutés, tous les chrétiens maltraités, torturés, éprouvés à cause de leur foi, que l'icône de la mère de Dieu qui s'est placée sur la porte du monastère se place sur la porte de leur vie, se place sur la porte de leur famille, se place sur la porte de leur pays, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie également par l'intercession de Saint Gabriel et par Marie, porte du ciel, que là où vous expérimentez la mort, l'improductivité, la sécheresse, la stérilité, l'aridité, les blocages de tout genre, que tous ces domaines reprennent vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je déclare sur la vie d'une femme stérile qui est connectée en ce milieu du jour et qui me regarde. Vous tous qui avez les trompes coupées, bouchées, pendant que vous posez vos mains sur votre bas-ventre, par la puissante intercession du Saint-Moine Gabriel Libère, que Marie porte du ciel, souffle sur vos entrailles, souffle dans vos entrailles, qu'elle se place sur la porte de vos entrailles pour fertiliser vos entrailles maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre enfantement au nom de Jésus. Recevez votre miracle maintenant même au nom puissant de Jésus. Je prie également pour tous ceux qui sont malades, vous tous qui souffrez, qui êtes un peu fatigués, malades, de maladies déclarées incurables par les hommes, parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Je prie que l'icône de la porte Haïti, ça vous protège et vous apporte la santé divine, apporte la vie dans vos cellules, dans vos nerfs, dans vos muscles, dans votre sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, restaure tous vos membres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la vie dans vos finances. J'appelle la prospérité. J'appelle l'élévation dans votre travail, la promotion. J'appelle le succès, la réussite dans vos études, dans vos affaires, dans votre commerce, dans votre mariage. J'appelle la joie. J'appelle la complicité, l'entente parfaite. Et dans votre ministère, la bénédiction puissante. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission Synaxaire pour ce jour, vendredi 13 mai 2022. Je voudrais terminer avec une annonce importante, une annonce très, très, très importante qui est relative à cette bonne nouvelle que nous avons entendue le 1er mai, le 1er mai 2022. Nous allons avoir un grand événement, précisément le 12 juin, le sacre épiscopal de Monseigneur Achille Apakoma. Ce sacre épiscopal-là, frère et soeur bien-aimés, il faut que ce soit une fête, une grande fête d'action de grâce. Une fête pour dire merci à notre Dieu. Une fête pour dire merci à tout ce que Dieu fait dans son église à travers son pauvre serviteur, son inutile serviteur. Que le Seigneur lui-même soit glorifié en cette date du 12 juin. Alors pour cela, nous devons tous nous mobiliser, fils et filles, Achia. Nous devons tous nous souder plus que d'habitude. Nous devons tous nous prendre les mains pour ensemble sortir quelque chose de beau qui va glorifier notre Dieu, qui va vraiment faire plaisir à notre Dieu. Alors pour cela, nous avons besoin de vos dons. Nous avons besoin de vos dons, nous avons besoin de votre prière, de vos prières, nous avons besoin de toutes sortes de soutien. Soutien matériel, soutien spirituel, soutien financier. Nous avons besoin de toutes sortes de contributions, contributions en vivre. Nous avons besoin de vos contributions intellectuelles, toutes sortes de compétences. Nous avons besoin de vos conseils. Je voudrais là saisir l'occasion pour lancer un appel à vous tous. Vous tous qui priez avec Monseigneur Achille Apakoma. Vous tous qui priez sur nos différents canaux, qui suivez les différentes prières de l'Église orthodoxe patriarcale des nations, et vous tous qui êtes dans la diaspora, vous tous ceux qui ont déjà été bénis par la main puissante de notre Dieu, à travers le ministère de son serviteur à la Viva, à la Reine de la Liberté, au Centre d'Excellence, lors des grandes caravanes d'évangélisation, lors des missions d'évangélisation dans les villages et partout. Vous tous qui, une fois, avez entendu la parole du Christ par le biais de son ministère. Vous tous qui suivez tout ce qu'il fait, toutes ces œuvres d'évangélisation. C'est là la reconnaissance de notre Dieu pour tout ce qui a été fait, qui a pu être fait à cause de vous. Je voudrais déjà remercier au nom de Monseigneur Achille Apakoma Marie. Je voudrais vous remercier, vous tous qui avez déjà réagi. Tous les dons qui nous parviennent, que le Seigneur multiplie cela pour vous. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Qu'il vous donne surtout les moyens pour que vous puissiez encore nous aider à organiser ce sacre-là le 12 juin. Alors, tous vos dons sont attendus. Il y a des gens qui m'ont approché pour dire que, il y a des dames qui m'ont approché pour dire qu'elles pouvaient amener de la nourriture, tout ce qu'il y a comme volaille, nourriture, en tout cas, tout ce qu'on a l'habitude de déposer au centre.
pour nourrir les dons, pour la charité. Tout cela parce que nous avons une forte délégation. Nous avons une forte délégation d'ecclésiastiques. Nous avons au niveau national même de nombreuses autorités qui vont venir. Et c'est une fête populaire. C'est une fête pour tous les enfants de Dieu. Vous êtes tous conviés. Dès lors, partagez l'invitation, partagez l'information. Vous n'avez pas besoin de carton d'invitation. Tout le monde est convié à cette fête. Nous avons donc besoin de tous vos dons, comme je l'ai dit, de vos soutiens, soutien spirituel, matériel, financier, vivre et autres. Alors, je vais vous communiquer des contacts. Voilà, je vais vous communiquer les bons contacts. Avant-hier, en donnant les contacts, là, je me suis trompée sur le premier numéro. Donc, la sœur Florence va aller dans le groupe et elle va lister tous les contacts, les numéros qu'il vous faudra contacter pour faire parvenir vos dons. Donc, je vais reprendre. Vous pouvez appeler au 01 01 31 51 06. Voilà, c'est le premier numéro sur lequel je m'étais trompé. Je vous donne le bon numéro. 01 01 31 51 06. Également au 01 02 11 97 07. Également au 01 42 95 01 86. Au 01 02 32 81 45. Tous ces numéros-là seront affichés sur tous nos canaux à travers les réseaux sociaux. Je vous bénis par l'intercession de Saint Gabriel Libère, par l'icône de la Croix d'Haïti, ça que le Seigneur vous bénisse de toutes sortes de bénédictions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.